Sartrouville, en région parisienne. Nous sommes ici chez le numéro 1 du livre photo en France. Dans ce hangar, plus de 2 millions d'albums ont été imprimés en 2013. Alors, dans un premier temps, on reçoit les photos et la création du client qui sont chargées et stockées sur nos serveurs. Ensuite, ces photos sont envoyées sur nos presses numériques que vous avez ici et sont imprimées sur des gros rouleaux de papier. À la suite, on imprime à peu près un livre toutes les minutes. Et lorsque les commandes se font très nombreuses, juste avant les fêtes, par exemple, la chaîne de production peut imprimer jusqu'à 24 000 livres par jour. Alors une fois que le livre est fini d'imprimer, chaque produit va être contrôlé manuellement par un agent Photobox qui va contrôler s'il n'y a pas de bavure. Ces livres photos ont été imaginés et conçus sur Internet par des clients comme Claire. Je les prends. Et je l'ai fait glisser sur mon album qui pour l'instant est virtuel. La jeune femme en commande en moyenne 3 par an. C'est elle qui décide du nombre de pages et de clichés qui y figurent. Pour un album de 100 pages regroupant toutes ses plus belles photos de l'année, elle dépense en moyenne une centaine d'euros. Alors ce qui me plaît dans les albums que je fais en ligne, c'est le fait de pouvoir mettre beaucoup plus de photos que dans un album fait par moi-même parce que je peux mettre plein de formats différents de photos. Après, il y a le côté de l'album qui peut durer dans le temps. Julie aussi est bien décidée à immortaliser son dernier voyage en Asie. Elle est venue faire développer ses photos dans ce magasin pour en faire ensuite un album. Ce n'est pourtant pas le cas de toutes les photos qu'elle réalise. Bah, je les garde sur mon ordinateur ou sur un disque dur, mais ça me fait un peu peur parce que je me dis si jamais j'ai un pépin avec l'ordinateur, ça va être perdu. Pour inciter les clients à mettre en scène leurs clichés, les professionnels multiplient les offres et les options. Calendriers, mugs, affiches, mais les réseaux sociaux restent le lieu de partage préféré des photographes français. Ils sont 45% à mettre en ligne leurs photos. Des clichés pris avec des appareils photo, mais aussi et surtout des smartphones. La photo a en plus de la fonction souvenir, une fonction de communication. À la place des mots, je vais mettre une photo pour raconter ce que je suis en train de faire, là où je suis. Même si chaque année les smartphones gagnent du terrain, l'appareil photo numérique reste l'outil privilégié par les Français pour leurs photos de vacances. Ils réalisent entre 1000 et 2000 photos par an.